La toute première Sailor's Cup Gets on the Tower. Vont me donner tort, on va voir ça tout de suite. Le caster casté incroyable. Bonsoir Dimi, bonsoir Lane09, merci pour le follow. Et on découvre tout de suite les compositions des deux équipes du côté XP3000. On a un Nautilus, ça j'aime bien, un Junior également. Alors que du côté Mr. Flash, on a un blaster de la part de Dimi. Un blaster qu'on voit pas souvent, un Luna Blaster. Un Proxy Blaster en français, si vous me permettez. Dimi qui prend d'ores et déjà une liquidation sur le mid. Pour l'instant, c'est très disputé. On a Saturn avec son Badigeonneur qui prend une liquidation. Et c'est le début du push. Oh, peut-être pas finalement. Ah si, c'est le début du push pour Mr. Flash. Mais il y a Dimi qui s'est fait liquider sur la tour. On a un parapluie aussi qui est pris du côté. Ouh, le parapluie d'ailleurs qui est en duel avec quelqu'un qui a une armure en plus. Ça va être très compliqué ça. Oh là là, magnifique. Oh là là, super. Gorofrey qui a vraiment temporisé le temps qu'il fallait pour prendre la liquidation. Il a attendu qu'il ait plus son armure. Pendant ce temps-là, ça a pris le lead que d'un tout petit point, donc c'est vraiment pas grand-chose. Oh, mais il y a Trap Forever qui est coincé pour toujours dans le spawn ennemi. Non, ça y est, on l'a enfin délogé. Ça a un peu essayé de pusher, mais les autres n'étaient pas là pour l'accompagner. Hein. Faut pas jouer trop solo. Dimi, qui est sur la tour. Ça va venir l'agresser de plusieurs côtés. Mais Dimi les voit venir, il sait, il a sa bowler de prête. Dimi qui laisse sa place à Saturne. Il lance immédiatement sa bowler. Il va venir dans le camp ennemi. Dimi qui met la pression. Mais il peut pas non plus mettre énormément de pression parce que Proxy Blaster, ça reste de la courte portée. On va pas se mentir. Candy Up. Oh, il y a une bouilla qui a été mise. Candy Up avec son Nautilus qui cherche la liquidation sur Gaufrey. Gaufrey qui va avoir du mal à se déroule. Oh, il y a Lichat qui est balancé. Il a plus son pas. Oh là 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 là, Candy Up. Qui prend une liquidation sur le para-ancre. Un lead sympatoche quand même qui est pris par l'Assist Drivers avec 43 points. C'est quand même pas mal. On a... et ben voilà, on a Nomi qui est plus là finalement. Oh là 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 là, on a tout de suite vu que Maggie a pris de belles liquidations. Même si il faut surtout pas dire que c'est Maggie. Une troisième, ok. Maggie là, c'est bon, elle a décidé qu'il fallait gagner. Maggie qui fait la couane. Maggie, mais voyons. Maggie qui a failli continuer, heureusement que Dimi était là pour l'arrêter parce que c'était n'importe quoi. Dimi qui prend immédiatement une deuxième liquidation sur Candy Up qui a affaibli un autre joueur mais qui va se faire finalement liquider. Ça continue de pousser pour les XP3000 qui prennent également 2 kills, il y a moins 2. Et en moins 3, il reste plus que Saturn. Pas du tout, en fait il y a eu un full team en décalé. Ça prend le lead du côté de la XP3000. C'est Viera a mis son armure d'encre sur la tour. Viera qui loupe son lancer de bombe, c'est des choses qui arrivent. Qui loupe à nouveau son lancer de bombe. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais quand même, il y a un moment, faut arrêter. Ils sont moins 3. Alors, ils sont moins 3, mais ils sont aussi moins 2 du côté. Oh là là, heureusement, je me suis dit que Viera allait réussir à prendre le KO tout seul. Ou toute seule, je ne suis plus sûr. On a Dimi qui va se faire avoir par le choc chromatique, et évidemment. Oh, oh là là, c'est le full team. Ça va être très compliqué. Pa-la-pa-pa-pa-pa. Et on a Trap Forever qui s'avance immédiatement dans le camp adverse qui est en duel avec un autre joueur de saut qui prend l'assist. Mais il y a Saturne qui essaie de survivre. Ça passe le dernier checkpoint, c'est le full team. C'est le full team XP3000 qui met le KO. Hello Yusra, je crois que c'est ça, Yusra. Un match sous haute tension, comme on dit finalement, hein, on est là. Ouh là là, mais au niveau des liquidations, c'est clairement à l'avantage de XP3000 avec 16 liquidations pour Maggie et son liquidateur pro. Mais que fait la police qui représente mon nombre de followers, merci. Donc pour les 80 Shiba adoptés, ma maison est remplie, mais pas encore à rabord. On peut aller plus loin, c'est sûr. Allez, on retourne au match XP3000 contre Mr. Flash 1-0 pour XP3000. Pas vraiment de changement du côté
Oups, pardon, j'ai une remontée. Pas de changement, je crois, du côté Mister Flash. Par contre, il y a un changement. Il y a deux changements, même, du côté XP3000. Parce qu'il y a l'encrifugeur avec la pluie de bombes qui a été lancée. Qui a été choisie. Et un Rafa Blaster aussi, de la part de Maggie. Maggie qui va donc être l'embêteuse professionnelle de ce match. Pour l'instant, ils sont un peu trop regroupés là. Du côté de Mister Flash, c'est compliqué. Ils sont déjà moins de. Bon, ouais. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de rester regroupés en fait. Hein. M'écoutez pas, les gars. Le pauvre Para qui se fait avoir par une petite bombe. Saturne qui est carrément allé avancer. Oh, c'est dommage ça. C'est dommage que Saturne ait été carrément allé avancer pour prendre des liquidations. C'était plutôt pas mal joué. Duel de Saune remporté par Trap Forever. Trap Forever qui va essayer de continuer. Possiblement. Oh, y a qui se fait avoir par une bombe. Une bombe lancée par Dimmy, mais Dimmy qui s'est fait finalement liquider. Maggie qui est toujours présente. Elle est là, elle fait bien chier, on le sait, c'est un Rafa Blaster, c'est fait pour emmerder. Qui va essayer. Oh là là, mais qui met des dégâts, mais qui n'arrive pas à prendre la liquidation. Et qui est détruite par un blaster peut-être un peu plus doué qu'elle. Bon, je plaisante, c'est une blague. Qui prend également un assist, il y a moins 3 du côté XP3000, mais il y a le bomb rush qui fait que Maggie va revenir totalement tranquille et qui vont recommencer à pousser. Oh là là, ça c'est très compliqué là pour Mister Flash, qui pourtant semblait avoir un peu de répit, mais en fait non. Superbe liquidation de Saturne sur le jetpack, mais ça ne suffira pas. Deuxième manche de gagner déjà pour XP3000. Ça semble tout cuit pour Mister Flash, là. On a un peu peur pour eux. Moi, je tremble, personnellement, je vous le dis, si vous regardez. on va voir ce que les équipes arrivent à faire face à ça. Moi, je pense que ça va être intéressant, j'espère. J'espère pour les Mister Flash qui vont réussir à marquer quand même un petit point. Non pas que j'ai mes préférences, mais quand même un petit peu. Oh, on a un Golden Airspray qui est pris par Maggie. Maggie, ça sent le troll, ça sent le troll par ici, attention. Par contre, du côté Mister Flash, ça ne rigole pas du tout. On a juste eu un changement, je crois que c'est. Tu n'avais pas le liquidateur griffé avant, mon cher ami, tu avais sans doute un Liquid Pro ou quelque chose comme ça. Première liquidation de chaque côté, on a Dimmy qui est aux avant-postes, hein, comme on dit, qui peut pas trop s'approcher avec sa courte portée, hein, mine de rien. Par contre, on a Trap Forever, hein, qui en tant que backline s'avance en mode je m'en bats les reins. Et il fait plutôt bien, hein, parce que là il y a personne qui peut venir le chercher, il est tranquille. Ça se TP sur lui apparemment. Et alors en plus, ils ont une bonne position pour contrer l'avancée du stand mobile. Là, ils sont tous en bonne position. Nomi qui a cela dit pris une première liquidation sur un joueur de l'XP qui cherche la liquidation sur Maggie, qui prend la liquidation sur Maggie. Nomi actuellement avec son bowler. Nomi qui s'avance. Oh là là, attention, il y a le Nautilus qui est en face qui t'a vu. La Pigman lance pour arrêter le push. Mais ça continue, Dimmy qui est sur la tour, qui tente de résister à la Pigman Lance, il y résiste. Nomi qui est en duel. Ouh là là, qui est en duel, qui est pas tellement en duel parce qu'il y avait 3 personnes en fait. Ouh là là, il n'y a plus que Saturne. Qu'il utilise son jolisateur, ça ne va pas marcher. 57 pour l'instant, push tout à fait acceptable, mais à mon avis ça peut aller beaucoup plus loin que ça. On a Maggie avec son Golden Iron Spray qui se fait immédiatement liquider par Dimmy. Dimmy qui a dit non, moi j'aime pas l'or, voilà, tu m'énerves, c'est comme ça, je préfère l'argent. Bon, effectivement, c'est compréhensible, on aime tous l'argent. Dimmy qui ne fait pas grand chose, encore une fois, dû à sa courte portée, surtout sur une map comme ça. Est-ce que c'était vraiment le bon choix, Dimmy? Mais écoute, tu pourras nous répondre à l'occasion. Il y a un bowler là, effectivement, mis par Maggie, qui va aider un petit peu à push. Maggie qui s'avance. Oh là 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 là, Maggie qui prend un assist, qui essaie de résister à Saturne, mais Saturne il était là. Ça a avancé jusqu'à 74 points hein, du côté de l'XP, mais ça n'ira pas plus loin. Saturne là qui reprend un petit peu de map control, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même assez vert. Nomi malheureusement qui se fait liquider par une bombe, mais il y a moins un de chaque côté, donc ça va. Pour l'instant ça se tisse, ça se toise. Il y a Maggie qui est très agressive.
ça remonte sur le stand. Ouh, on a on avait le liquidateur vérifié qui s'est fait liquider. Superbe liquidation avec le jetpack Yaman 3 du côté des Mister Flash. C'est le moment du grand push. On a Candy Up sur le stand. Candy Up, il y en a deux sur le stand. Oh là 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 là, il y a le junior qui s'est fait avoir. Il reste plus que Candy Up qui prend la liquidation sur Gofrey qui va sans doute prendre le lead parce qu'il y a Yaman 3. Ça va être compliqué. Voilà, ça prend le lead. Ah, Maggie qui est extrêmement bien avancé. Ils sont concentrés. Oh là là ! Candy Up, il sait de quoi il parle quand on lui parle d'Inkjet. Il sait de quoi il parle. Et il y a à nouveau moins 3. Il y a à nouveau moins 3. C'est très compliqué. Saturn se fait agresser de toutes parts. C'est n'importe quoi. Ça drop comme des petits pains par ici. Apparemment, Dimmy qui tente d'avoir la personne sur stand mobile, mais ça va pas marcher, c'est encore moins 2. Saturn qui réussit enfin à dégager la personne qui était sur stand mobile, mais qui se fait quand même pas mal agresser. Saturn qui va décider de drop. Est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire? Je ne suis pas franchement sûr personnellement. Qui se fait avoir par Maggie? Maggie qui scoot back, c'est quoi ça? C'est pas fair play. Je vais donner un point à la Mister Flash si ça continue. Alors, attention, j'aime pas le scoot back moi. Je vais rajouter ça dans le règlement, pas de scoot back. Attention, il va falloir reprendre un petit peu de map control. La tour qui revient, mais il y a Maggie qui s'en bat les couilles. Il y a Maggie qui est là et qui dit, bah écoutez, puisqu'il n'y a personne qui surveille le stand mobile, moi j'y vais, j'ai de l'or plein les poches avec mon Golden Aerospray. Oh là là, elle va bientôt mettre son bowler pour lui dire, toi t'as mis un bowler, mais moi j'en mets un autre, et je suis meilleur, et elle est meilleure en effet, et elle troll à nouveau. Ça va finir par être réellement un point pour eux, fais attention Maggie. Ah là 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 là, heureusement que c'est un tournoi pour le fun et que je suis bien sympa quand même. Parce que je déteste le scoot bagging, je déteste les moqueries. Ça ne me ressemble pas ça. Dimmy qui se fait immédiatement avoir. Je sais pas pourquoi je dis immédiatement, ça n'a aucun sens, je crois que c'est très anglais. On a Nomi sur la tour qui tente de se défendre mais qui ne peut pas faire grand chose. La bouilla, je crois que ça va pas être possible. Nanana, c'est un 3-0 pour XP3000. XP3000 qui part donc en finale du Bracket Moon. Oh là là, les liquidations!